nama una o te tai ipu ipu uati o hi te mata i te ata o o mua. Bonjour Kauhanui, pour ce troisième jour de festival, nous sommes sur le site de Kamuhei dans la vallée de Hatiheu, à plus d'une heure de route du chef-lieu Teiohae. Ici, Yvonne Katupa est maire depuis plus de 26 ans, un personnage respecté pour son dévouement à la culture. Yvonne, bonjour. Alors, depuis 23 ans maintenant, vous vous consacrez à la restauration des sites. Qu'est-ce qui vous inspire? Pourquoi vous le faites? Moi, j'ai poussé une vision qui regarde avec toute la culture de notre ancêtre, de notre Tupuna, quand même est très très riche, il ne faut pas laisser mourir. C'est pour ça que j'ai le plaisir de faire renouveler tous les sites archéologiques, surtout Kamuhei, parce que c'est un site très très riche au niveau de la culture. Combien de sites vous avez restauré depuis que vous avez commencé? J'ai essayé trois, mais comme c'est grand, j'ai laissé tomber, j'ai fait que deux, Hikokua et Kamuhei. Donc Kamuhei est riche en histoire, racontez-nous. Kamuhei est riche parce qu'il y a toutes les sculptures des anciens qui habitent ici. Il y a les cailloux pour le Hakamanu, pour choisir le plus beau garçon, la plus belle fille. Et puis il y a un caillou aussi pour les sacrifices, même il y a un trou. Et puis il y a plein de pétroglyphes, il y a 80 pierres avec les pétroglyphes sur le site. Et puis l'emplacement de papa et de toi, c'est vraiment joli. À quelle époque sont arrivés les premiers migrateurs et par quels moyens? Ben voilà, après notre archéologue disait, il y a 3000 ans après Jésus-Christ. Et puis ils sont venus avec les pirogues, c'est le seul moyen qu'ils sont venus avec des grands pirogues doubles. Kauhanui Yvonne, je vous propose d'ailleurs de voir comment étaient construites ces pirogues. On retrouve tout de suite Jeanne Peketpawira sur le site de Teiohae. Fini l'âge de pierre, au XXIe siècle, la construction d'une pirogue traditionnelle connaît un sérieux coup de lifting. Les dents aiguisées d'une scie thermique tronçonnent désormais ce bois à la nature peu putrescible, une technique qui permet aux frères Kaiha, originaires de Huapau, de gagner deux jours sur les trois nécessaires à dégrossir ce tronc, long de 4 mètres. Si la méthode de travail a évolué, le choix de l'arbre n'a pas pris une ride. On ne coupe jamais l'arbre pour n'importe quoi. On parle aussi avec l'arbre, c'est important ça. Quoi. Parce qu'on respecte, quoi, l'arbre il va nous donner un moyen pour nourrir aussi, pour toute la famille, pour aller loin aussi. C'est ça, quoi, les tabous, le respect. D'autres éléments sont extraits de ce même tronc, le balancier et les étais. Ils seront fixés à la pirogue au moyen de cordages, des liens obtenus à partir de fibres végétales. Je suis en train de tresser une cordelette faite en fibre de bourrau pour attacher le balancier de la pirogue parce qu'il faut que le balancier de la pirogue tienne bien sur la pirogue pour ne pas que la pirogue coule. Et la pirogue est l'objet le plus utilisé dans le quotidien des insulaires, une vie que l'ancienne génération lègue avec un mode de transmission ancestral. Allez, passe par au-dessous. Par la parole, comment dire, par. Je dis, il faut faire comme ça. Pour le tressage, on est en train de tresser les cordes pour faire la pirogue. Voilà. Ses descendants de navigateurs mettront une journée pour achever l'embarcation. Un moyen de transport dont la qualité nautique définira son utilisation. En l'occurrence, une pirogue de pêche à pagaie. Petite piqûre de rappel sur les déplacements de ces navigateurs dans le triangle polynésien avec Te Piu au musée de Hatiheu en compagnie de Pierre Otino.
Alors, Jeannie, il n'y a plus vraiment de traces des premières embarcations ici à Hatiheu, mais il y a un petit musée qui a ouvert ses portes il y a à peine 4 mois, amené à la vie par Pierre Otino et Yvonne Katupa. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de traces des premières embarcations ici à Hatiheu? Eh bien, déjà, les traces d'embarcations, on n'a pas trouvé énormément en Polynésie, parce que tous les matériaux étaient en matériaux végétaux. Les pirogues étaient en bois, donc le bois se conserve dans des conditions exceptionnelles, soit très très marécageuses, toujours dans un milieu humide, ou au contraire, dans des abris sous roche particulièrement secs et à l'abri. Et là, à Nukuiva, d'ailleurs, on a retrouvé quand même des fragments de pirogues, des parties de coques de pirogues, à Hakawi par exemple, et il y en a une partie qui est exposée au petit musée de Hané, je pense, à Wauka. Et la coque, la partie conservée de la coque, est en Temanu, en Tamanu, en Hati, en tahitien, donc un arbre remarquable qui avait la particularité d'être très grand. Donc souvent, les pirogues étaient taillées dans le Temanu. Mais sinon, dans ce petit musée, évidemment, le bois a disparu, mais on a des ancres de pirogues, par exemple, des poids de pêche. Et des hameçons. Alors, ces hameçons, d'où viennent-ils et comment ont-ils été retrouvés? Eh bien, ils ont été retrouvés dans les sites de dunes, dans le sable, en bord de mer, parce qu'évidemment, les pêcheurs habitaient en bord de mer, ou ils n'habitaient pas systématiquement en bord de mer, mais ils conservaient leurs matériaux et leurs pirogues près de la mer. Ils avaient souvent des meae, des ahu, donc des paepae tapu, réservés aux pêcheurs, où ils conservaient leur matériel. Les hameçons ont été retrouvés dans le sable, parce que l'avantage du sable, évidemment, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de cochons, il n'y a pas d'activité biologique, et les matériaux fragiles comme la nacre se conservent particulièrement bien. Donc les hameçons que vous pouvez voir ici dans cette petite salle patrimoniale, ce musée, proviennent essentiellement de la vallée de Hanaho, et également, évidemment, surtout du littoral. Pierre, quels autres objets anciens avez-vous pu récupérer et préserver? Eh bien, ce sont surtout les objets qui ont été trouvés par les Marquisiens eux-mêmes, qui sont préservés, exposés dans cette salle patrimoniale. Mais en dehors de ces objets, vraiment authentiques et anciens, nous avons effectué le moulage d'une pièce remarquable, un énorme rocher qui est en haut du site sur lequel se tient le festival et qui a la forme naturelle d'une tortue. Et il est couvert de pétroglyphes. Et il y a des motifs exceptionnels pour les Marquises, notamment ce poisson immense qui ressemble à un mahi-mahi, mais qui serait peut-être un autre poisson, également des motifs de tortues. Alors c'est intéressant parce que les tortues sont moins présentes dans les pétroglyphes qu'aux îles de la Société, par exemple. Au Tuamotu, on en connaît quelques-unes. Mais la tortue était un moyen pour les âmes des personnes les plus prestigieuses de rejoindre le Hawaiki. Alors le fait de les retrouver sur ce rocher montre que ce rocher était particulièrement important et situé dans la partie la plus tapu du site de Kamuhei. Pierre, comment se soignait-il à l'époque? Les Polynésiens se soignaient essentiellement avec des plantes. Et donc, il y avait des plantes, bien sûr, qui existaient sur les îles qu'ils découvraient, mais ils ont apporté des plantes pour se nourrir, mais également des plantes pour se soigner. Et là, c'est intéressant parce que c'est une pierre, tu vois, là, c'est tout à fait lisse, donc ça a servi de polissoir, mais là, ce sont des petits mortiers, parce que si tu touches la surface, c'est un petit peu rugueux. Donc, c'était des mortiers pour écraser des plantes et probablement pour préparer des médicaments. Merci, Pierre. Et je vous propose de voir avec Jeanne si ces remèdes existent encore. Et oui, Tepiu, à cette époque où les navigateurs voyageaient certainement avec des malades à bord de leur navire, ici, aux Marquises, la pratique de la médecine traditionnelle a permis aux habitants de pouvoir survivre avec cette nature. Et parmi les maladies importées, la syphilis, appelée aussi la chaude pisse, un fléau qui décima une grande partie de la population entre le 18e et le 19e siècle. Les habitants trouvèrent alors dans le goyavier les substances salvatrices. Ces feuilles, préparées en décoction, permit aux villageois de survivre à l'épidémie. Comme la syphilis, la tuberculose a été cause de nombreux décès. Son remède, cette potion. Préparée avec 30 feuilles et 4 racines de fougère, 4 bourgeons de thialétréti et d'hibiscus rouge, le remède ingéré avait des effets certains sur les malades. Ce médicament, nous avons... Alors comme ces navigateurs d'époque qui venaient se soigner ici dans ces régions reculées contre des maladies, notamment celui-ci pour la fracture, je vais goûter ce produit que vient de réaliser cette guérisseuse des Marquises. Malolo. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a vraiment le goût de la nature. Autre époque, autre remède, ceux destinés aux enfants de ce nouveau siècle.
maux de dents, de ventre, problèmes de peau, varicelle ou bourbouille, autant de petits bobos que soulage Lucienne. Et pour trouver le nécessaire à la préparation d'un ra'au, c'est auprès des plantes médicinales qu'elle se tourne. Pour les trouver, il faut se rendre dans les vallées et notre guide Antoine nous conduit dans celle de Tiahai. Première halte, la quête de canne à sucre. Moi, on me demande, je prends 1, 2, 3, 4, je coupe 4. Voilà. Hein, mais là, j'ai pas de couteau, mais je vais le casser quand même. Ok ? Voilà. Second ingrédient, la fougère. Il faut pour cela marcher encore quelques minutes. Et puis là, c'est la découverte. Tu veux pas arriver ? Je vais vous montrer. Voilà la racine que je dois prendre. Je vais prendre unity, c'est ça. Deux unity, je casse, c'est ça. Voilà. Ça fait un. Au domicile enfin de Lucienne, on cueille des bourgeons de Thierry Tréti. Le tout est confié à la guérisseuse. En train de écraser le canne à sucre. Il saurait. Pilé et filtré, le produit des plantes est avalé par ce jeune enfant. Mais attention, prudence, elle avertit que ce qu'elle prépare ne remplace pas l'avis d'un médecin. Je dis toujours ça parce qu'on ne sait jamais, il y a une autre maladie, comme il y a les oreilles otites. Il y a plein de maladies des bébés, on ne sait pas. Après, si tu donnes les médicaments, ça correspond. Il y a une maladie qui va revenir. Alors autour de cette table, 5 enfants en bonne santé que Lucienne a aidé grâce au Raou Tréti. Tepiou, je te le recommande vivement évidemment d'y recourir, notamment au massage. En tout cas, la médecine traditionnelle a fait de beaux enfants ici aux Marquises. J'aimerais bien Jeanne, mais peut-être une autre fois. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle page spéciale, consacrée cette fois aux langues et expressions marquisiennes sous toutes leurs formes. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez voir toutes nos pages sur le site polynésie.lapremière.fr. Ka ohanui. Ipu ipu uati ohi te mata ite ata o.